Côte d'Ivoire face à son destin, la Côte d'Ivoire face à l'histoire. Bonsoir à tous, bienvenue au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe pour vivre cette affiche allégeante entre la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Match de la troisième et dernière journée du groupe A. Bonsoir Patrick Guité, la Côte d'Ivoire troisième de ce groupe A avec 3 points, goal average plus 1, doit tout simplement réaliser l'espoir face à la Guinée équatoriale, leader qui totalise 4 points plus 2. Absolument, mais c'est complètement inhabituel de dire que la Côte d'Ivoire doit réaliser l'espoir face à la Guinée équatoriale, surtout que cette équipe a toujours réussi aux éléphants de Côte d'Ivoire, 3 confrontations directes, dont 2 au niveau donc de la CAN. Et la dernière rencontre entre ces deux équipes à la CAN, c'était en 2022 lors de la CAN 2021 au Cameroun, et les éléphants s'étaient imposés grâce à un but exceptionnel de Max-Alain Gradel. Aujourd'hui, eh bien, le même exercice est donné aux éléphants de Côte d'Ivoire, qui doivent faire plaisir tout simplement à ce peuple-là qui s'est déplacé au stade Alassane Ouattara des Bimpe. Il n'y a pas de calcul à faire, il faut se jeter à l'abordage pour marquer des buts et gagner ce match. Allez, c'est un match pas comme les autres, match important pour la Côte d'Ivoire, sortie des deux formations sur la pelouse du stade olympique Alassane Ouattara des Bimpe. Concentration côté ivoirien, visage fermé, regard fixé sur l'air de jeu. Pour cette rencontre, il va falloir tout simplement sortir le grand jeu pour pourquoi pas s'imposer ou prendre le point du nul pour espérer continuer sa canne. Tout simplement, l'enjeu doit nous permettre en tout cas d'avoir une rencontre ouverte avec pourquoi pas beaucoup de buts ici à MVP. Absolument, il y a beaucoup de changements effectués du côté des Ivoiriens. On attend de voir ce que ça donnera. En tout cas, les Ivoiriens sont confiants, ils sont déployés dans les stades. On n'attend plus que les 22 acteurs. Alors, on va suivre les hymnes nationaux, commençant par l'hymne national de la Guinée équatoriale. Marchons en foulant les chemins de notre bonheur immense. De la Guinée équatoriale, adopté en 1968, à présent l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire, l'Abidjanaise.
les appels, match crucial, match d'envergure pour Seko Fofana et ses partenaires. Patrick, la Côte d'Ivoire doit tout simplement gagner ou au pire des cas prendre le point du nul pour continuer sa canne ce soir. Il faut tout faire pour en tout cas porter cette joie-là à cette population qui était un tout petit peu déçue lors du précédent match. On va en parler durant ce match, mais on découvre la compo d'équipe avec la compo de la Guinée équatoriale. Absolument. Juan Moussa a bien changé à l'équipe qui a dynamité celle de la Guinée du Centre Afrique lors de la deuxième journée dans ce groupe A, avec notamment l'attaquant et Mouyo Moussoué qui a réalisé un équipé au premier nombre de cette compétition. Et puis on aura Ibou qui lui a participé aux deux dernières rencontres Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Ils sont 8. 8 qui ont participé à cette rencontre au Cameroun. Et qui ont peut-être à l'idée de remporter cette partie pour papa prendre leur revanche sur la CAN 2021. Ça va être un match plein d'un côté comme de l'autre. On va poser avant le coup d'envoi de ce match côté Zalang national. Le dance qui va être réalisé par Bakra Kaboubi. Alors que sur notre feuille, c'est plutôt un arbitre soudanais qu'on nous signale. Et dans la cabine de la VAR, on aura Redouane Jied et Zakaria Prensi pour donc nous signaler des actions litigieuses dans cette opposition. Côté éléphant de Côte d'Ivoire, on note 4 changements dans le 11 de départ. Et surtout aussi Adegra qui est sur le banc. C'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. C'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, mais il va attendre avant d'entrer dans le jeu, parce que Jean-Luc Gassé a décidé de repartir avec Yaya Fofana dans les buts. Et sur les côtés, c'est plutôt Sengo et Justin Poulon qui seront des latéraux. Bouli qui fait son entrée dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire aux côtés de Ndika. Et puis dans le milieu, Sangaré, Kessié, Seko, on n'a rien changé à ce trio médian. Et puis en attaque, on a repositionné Christian Kwame au cœur, à la pointe donc de cette attaque, qui sera accompagné par Nicolas Pepe et Diakité Oumar, qui connaissent eux également leur première titularisation. On les attend dans un stade olympique à la Salle Ouattara des Dupé. Et le président d'ailleurs qui a envoyé un message aux éléphants: allez les éléphants, tout le pays est derrière vous pour pourquoi pas aller chercher cette qualification face aux Zalang nationales. Surtout cet homme est à surveiller. Vous souhaitez.